Hey, salut tout le monde, bienvenue dans la merde, comme d'hab. Hein. On peut résumer le titre du jeu par ça. Vous êtes dans le caca, beaucoup. Deux. Ça aurait été sympa de me rallumer ma caméra. D'accord. Non, non, je ne vais plus vers ce couloir. Il est multiple. Le monstre est multiple, le monstre est partout. Il arrive. Et tu comptes me... Connasse. Bon bah... Manifestement, j'étais pas par là. C'est... J'ai protégé quelqu'un le temps que... Que je me fasse attaquer par une langue monstrueuse. Dédric, des enfers. Des enfants disparus. Censé me cacher dans un casier. Je ne comprends pas bien. Là. Ah, elle vient là aussi. Il arrive, elle va dans un casier. D'accord. Et comme par hasard, on se retrouve sur une chemise aux couleurs de Freddy. Ouais. Moi, je pense que vous étiez conscient de faire quelque chose. Oh, je croyais que c'était Carpenter Brut, moi, maintenant. Putain, je suis déçu. Ou John Carpenter, au moins, quelque chose, je sais pas. Adin Ferry, Per Aspera. Je ne parle pas cette langue. Vous parlez une langue... Qu'est-ce que c'est ça? Voilà une langue qui m'est inconnue. Il va s'envoler avec des trucs de paille là ou c'est censé... Je sais pas, c'est peut-être à cause des trucs juste à côté, mais... Qu'est-ce que t'es moche, note? L'herbe, il n'y a rien de plus méprisable parmi les affligés que leur apitoiement. Et te fais confiance pour ne pas tirer satisfaction de tels péchés féminins. Si les disciples dont je t'ai confié la charge sont affamés, et dans la douleur et la peur, c'est une nécessité de leur péché physique et la volonté de Dieu. T'as envoyé toute la nourriture et le vin que Dieu voulait que tu aies, rien de plus. J'ai eu des visions de l'aggravation de ce fléau, et notre souffrance atteindra un point qu'aucun d'entre nous ne pourra plus supporter. Réjouis-toi. Réjouis-toi du fait que nous sommes sur le point d'atteindre le centre de cette souffrance pour émerger dans le paradis éternel. Si tu ne peux pas contrôler ton peuple par tes paroles, fais-le par les points de ta monture. Papa t'aime, Dieu te délivra. Note. J'inclume une sacoche des grillons salés que Nick aime tant. Assure-toi qu'ils les reçoivent de ma part. Ah. Donc l'herbe, c'est Venom. C'est Venom. Je sais pas. C'est comme ça que je le comprends. Et j'avoue que je trouve justement que pour le personnage, ils lui ont donné une voix... presque... Enfin, elle est presque normale, je sais pas comment vous voyez. Enfin, vous voyez, Janine... Je parle comme ça, comme si j'avais fumé 42 paquets de clopes par jour depuis que je suis né. Mais le petit, ils lui ont donné une voix un peu normale et tout. Et je me suis dit que soit justement c'était parce qu'il était finalement intelligent et puis tout ça. Et respecté dans un sens. Qu'ils n'avaient pas fait l'occasion de se faire mais le petit sur son gros, je l'avais, oui, je suis aussi psychopathe. Enfin bref, on aurait pu lui donner une voix bien plus tarée que celle-là. Du coup, si c'est l'air de le second de 9 ou. Bah quoi, c'est peut-être pas non plus totalement du bullshit. D'accord. Aïe. On se barre vite.
choses se sont pas passées comme je m'y attendais. Alors, ça se passe rarement comme je m'y attendais. Là, j'ai envie de dire non, quand même. Là, j'ai envie de dire cheater. C'est une feinte. C'est une feinte, il sait pas que je suis là. C'est une feinte. Je n'y crois pas. Il est où, ce con? Ah, putain de merde! Mais comment il fait ça? Il va placer une balise ou quoi? La maison de merde, il faut que j'aille où? Il faut que j'aille où? Franchement, j'avais appelé FNAF Stress Simulator à l'époque. Ça, c'est presque Agression Simulator en fait. C'est aussi Stress Simulator en fait. Puisque peur sur 20. La psychose, putain, de ces gens. Il est malade. Je l'ai fait bugger ou quoi? Il m'a vu, il essaye de me tirer dessus là parce que je ne comprends plus ce mouvement. Qu'est-ce que t'es en train de branler? Repose-toi, Seigneur. J'ai vraiment du mal à comprendre comment sont foutus leurs IA dans le jeu, en fait. Très spécial. J'ai l'impression qu'il m'a vu. Et que je suis ressorti de son... champ de vision. Et il a parlé en anglais là, non? Petit bug de traduction. Bon, quelques trois petits bugs comme ça, ça va. Moi je ne savais pas que le jeu était en français déjà à la base. Il semble pas que c'était le cas du 1. Il semble pas que Little Pili avait été traduit. Non mais là il abuse par contre, je trouve, parce que... Je sais pas si c'est moi qui perds patience en même temps que lui perd patience, mais c'est un peu trop en même temps. Presque abusé, mais même l'alien dans Alien Isolation, il faisait pas autant tourner en rond comme une vieille merde autour d'un arbre comme ça. Tu vivras à nouveau. Il fait quoi, fuck it. Oh putain. Quel connard. Mais allez. Fais coussi coussa là, enfin merde. Je voulais pouvoir me tirer dessus si je voulais vraiment.
Sauf qu'il a abandonné un peu vite. Ah, ce putain de piège, je l'avais pas vu, hein, ça. Commence à avoir sur 20, hein, c'était beau. Vous voyez, le jeu me met tellement sous pression que je commence à m'énerver, en fait. M'énerver de stress et de... Après les sauterelles, les flèches, venez assister au spectacle. D'accord. J'ai pas tout compris en fait, parce que s'il faut pas faire LAN avec sa caméra, le truc c'est que je fais ça depuis le début sur ce truc. Ça avait jamais eu l'air d'influer, et bon, bah, manifestement, ça influe. Manifestement, ça influe quand même. Aïe, putain! J'ai dit, vous me direz, j'en suis pas sorti gagnant, non? Il n'y a pas déjà foutu, non, bah non. Je n'ai blessé personne. Pas d'un homme. Nous marcherons ensemble. Cette merde! Non, oh, oh! Et bien, vieillage sur soigné, vous êtes marrants, les mecs! Vas-y, on me tire dessus de partout, on m'agresse de partout! C'est bien compliqué quand même! C'était quoi cette merde? Espèce de saloperie! Ils sont bizarres ces gens qui des fois décident de m'attaquer, des fois non. Mais non, mais là y a rien eu, vous abusez! Allez, plus vite! Plus vite! Plus vite! Tu vois bien qu'il y a un cadavre de mec avec des flèches! Pas plus vite! Faut aller prendre les flèches. Putain, toi avec ton crochet de pirate des enfers là. Mais non, mais les putains de... Ah mais non, mais Gollum est là. Je sais pas. En fait, je comprends pas leur délire. Non, ouais, bon, d'accord, ils ont pas décidé de faire des fins, des morts raccourcis, on va dire. Il m'a mis ma caméra. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils me donnent des bandages de partout. Mais manifestement, il n'y a aucun endroit où les mettre. Donc ça me sert à quoi de recevoir des super bandages pour me protéger d'une séquence où je prends plein de dégâts? Si je peux pas... On te tient. Tout va ah bien. Non. On te tient. Pourquoi il se débat? Et parce que vous êtes fous. Pas encore terminé. Bien entendu. Comment ai-je pu être aussi stupide? Tu enregistreras ta propre résurrection. Tu compléteras ta vengeance. Oui, oui, nous le ramenons sur le chemin de croix. Son tombeau attend. Emmenez-le. Il sera ressuscité. Nous aurons tous notre communion. Donc, toute cette fuite depuis avant n'a servi à rien. On va récupérer notre caméra qu'on a sûrement plus. Hein. Ah oui, vous êtes en train de m'enterrer, quoi. Et tu sais, pour accomplir ma résurrection, il faudrait peut-être que je meure d'abord, hein.
Mira, je vais mourir sous terre. Bon bah faut pas être claustrophobe pour cette séquence hein. Avant non sur X quoi la manette mec hein. Bon bah heureusement que c'est des gitans et qu'ils ont pas mis beaucoup de terre quoi. Enfin, mais des imbéciles excusez moi bon attendez manifestement de toucher à ma manette quelque part hein. Non. Non, toujours pas. Mais encore. Du coup l'autre c'est quand même pas un gros génie non plus quoi. Mec il nous attrape. Ouais c'est bon. Je l'ai semi-enterré sous 2 cm de terre. C'est bon. C'est bon. On le tient. Alors, ça t'a pas suffi que déjà une fois je me suis barré de ton emprise. Pourquoi tu peux pas laisser juste un mec à côté, y a vraiment personne qui te suit. T'as pas on appelle ça. Je t'ai vu Gollum hein. Eh bordel, Gollum. Gollum. Je m'en passais. Tu peux pas faire ça, Gollum. Avoue-le. Et bah. C'était juste une raison de nous faire une séquence flippante de. Tu te fais enterrer vivant, mais en fait, non. Moi, quelqu'un est venu nous déterrer sans que j'ai capté, quoi. Mais... Réjouissez-vous, ô galeux affligés de furoncles et de plaies, tous ceux dont le sexe craque et suinte, votre Baptiste vient à vous, à la califourchon sur un âne de la forme d'un homme. Aïe. Ce Baptiste, aux proportions d'un enfant, à l'exception de ses outils d'homme, est donc bien aimé du prophète Sullivan Knott. Et Knott dit à l'herbe, que désires-tu dans ta misère? Et l'herbe, je désire voir les choses que le nouvel Ézéchiel a vues. Note dit, oui, ton esprit est une crevasse trop étroite pour la virilité du message du Seigneur. Il déchirerait à sa pénétration. Tu connaîtras seulement ton propre salut. Et l'air de dit, oui, je crois en toutes les paroles de mon père. Et Note s'écria, Hosanna, au plus haut des cieux, ton amour pour moi est béni, et tu découvriras les choses que tu as désirées. Et l'air de dit, je vois les cieux s'ouvrir, je vois voler la fumée dans le ciel, un nuage d'insectes portant un homme, adulte mais encore. D'une beauté qui dépasse celle des femmes. Bon, attendez, on va essayer de voir ce que c'était que cette fête, parce que je peux encore trouver le chemin qui mène à la ligne. Mais encore. Fumée, il y a un insecte, mais encore virginal, d'accord, c'était ça. Je sais ce que j'arrivais à lire, mais je ne connaissais pas plus le mot que ça, j'avoue. Virginal d'une beauté qui dépasse celle des femmes, et je regardais à nouveau vit le rédempteur des galeux, celui dont Ézéchiel avait parlé. Ézéchiel parla de nouveau à l'herbe. Regarde, l'agneau pourvoit
aux besoins des enfants de queue malade et d'entrailles pourrissantes, et j'ai vu les multitudes malades affligées par les démons et les esprits impurs guéris par le pouvoir de l'agneau de Dieu. Je suis un mouton. Et moi, l'herbe, ai vu qu'il était monté sur la croix et tué pour ceux dont la luxure les a livrés au péché. Et dont le péché les a livrés à la luxure. Lorsqu'il sera ainsi pendu, il y aura une abondance de lait et le vin, tel que chacun mangera tout le beurre et boira la liqueur distillée qui reste sur la terre. Mais attends, mais... Pendu quoi? Sur la croix? D'accord. Je vais dire, parce que s'il veut me pendre, non, c'est pas trop ce que t'as fait, mais... Et ils proclameront la gloire de l'air qui les mènera au salut. Et lorsque son esprit sera libéré, sa chair immaculée pendra morte sur l'arbre, ils le libéreront des épines et l'enterreront en piochant la terre. Ah, ok, ça commence à trouver un poil de sens qui vient de se baser, on va dire. Et les galeux diront, nous sommes épuisés et misérables, car nos cœurs sont ravagés par le péché. Le glorieux l'air devra les mener par sa langue, son fouet, sa queue, et leur rappeler. Épuiser les hommes n'est qu'un détail, mais n'épuisez pas mon Dieu. Ils proclameront la gloire de l'air qui les mènera au salut. Et le Messie galeux sortira du tombeau, surmontant la maladie et la mort. Et ceux qui en sont accablés l'appelleront Immanuel. Immanuel, d'accord. Et le Messie galeux dira, ceci est ma chair, mangez-la et soyez guéris. Ah oui, ah oui, mais c'est moi le Messie galeux, non? Celui qui mange ma chair aura la vie éternelle. Ils proclameront la gloire de l'air qui les mena au salut. Mouais. Donc en gros, ils veulent me crucifier, m'enterrer. Bref, faut que je me ressuscite, je sais pas trop comment. Et après ça, ils veulent bouffer ma chair. Pour devenir immortel. Mais c'est pas péché de vouloir devenir immortel? Demande. J'essaye de comprendre comment ça marche. Parce que j'ai pas envie de lui sauter dessus comme un taré. Putain de brume de merde. D'accord, je pensais là qu'il est arrivé quelque chose. Vous racontez, mec? S'est pendue avant que je puisse l'en empêcher. Ou elle... C'est pas... Non. Attends, pas elle. Il. Oh, putain de merde. T'es totalement en train de perdre la tête, mec. Hein. Mais... Bon. Pas nouveau, vous me direz, mais... Ça se confirme juste de plus en plus. Hein. Ah, mais c'est putain de cactus, je vous déteste. Je vous déteste, c'est officiel. Comme les humains d'ailleurs. Je ne veux plus voir de cactus et d'humains de ma vie après ce voyage. Je sais qu'on y va pour sauver ma femme. Bordel, comment je fais pour descendre là? La limite peut-être ma femme. Mais sinon.
Mais sinon, sincèrement, ça pue du cul. Hein. Je ne veux plus rien avoir à faire. Ya! Ah! Faut croire au fait que tu vas pas hurler de douleur sur l'appui sur tes mains. Mais ouais. Ouais. Désolé, j'ai dû prendre la corde de cette poulie parce que je voulais monter au ciel. Haha. Si cet Ézéchiel boursouflé ne vous donne plus de corde, vous pouvez me décrocher et la reprendre. Car je pense ne plus en avoir besoin. Ben voilà, une mort plutôt comique. Enfin... Un suicide... Ah, je cherche le terme, mais il ne me viendra pas comme d'hab. À chaque fois que je cherche un terme. C'est pas qu'il troll. Putain, je trouve plus le terme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah. Non, on s'en fout que le plus. Oula, oula. Ils nous mettent une autre touche. Hein. Bon, c'est bien, ça fait garder la surprise sur ce genre de truc. Je crois qu'il y a un mec avec moi, mais. Non, même pas. D'accord. Et tout ça pour rien en plus. Dessus là, emporte-moi le puits. C'est quoi? Je me sens presque mieux à l'école. Presque, hein, parce que pas non plus un environnement que j'apprécierais beaucoup en vérité. Ah, bonjour! Ah ah, que la miséricorde! Ouais bah, prends mon pied dans ta gueule et dis-moi si c'est la miséricorde de Dieu. Tonine ! Ouais ouais, toi t'es bienvenu dans le royaume d'Edric. Il avait quelque chose de si important sur lui, ce mec là, enfin, je capte pas bien le plan là. Il y a les clés de la mine. C'était quoi l'idée? Ah non, d'accord, il va chercher. D'accord. C'est que j'étais en train de me dire, mais du coup j'ai pas trop compris pour. Ouais, c'est peut-être plus simple comme ça. On va peut-être essayer de le tirer, le mec, quoi, du coup. En plus, il y a du feu juste à côté. Merci. C'est gentil de dire merci. Hein. Et maintenant? On est dans la cabane? Quoi, le truc en haut, là? C'est pas plus simple de passer par là ou... Non. La cabane. Ressusciteras-tu encore? Non, 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 si tu me tues, je ressusciterai pas. Aïe, 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 aïe.
Putain de merde. Ah putain. Culé. Mais non, mais... Bien sûr, les commandes faut qu'elles se confondent, hein. Sinon, ça serait pas drôle. Et se cacher dans des maisons, ça sert à rien. Et bien sûr. Sérieusement, je suis en normal, je commence quand même à questionner beaucoup. À partir du moment où tu t'es fait repérer, je vois vraiment pas comment des fois tu es censé t'en sortir. Mec, te laisse jamais le temps de te soigner, jamais le temps de charger ta caméra, jamais le temps de te recacher en fait. Qu'elle était là la cabane, hein. Moi j'avoue que je cherchais un truc en hauteur. J'ai un peu con dans ma tête, hein, aussi, hein. Il m'a envoyé ses hommes là pour qu'on aille avec moi, c'est ça? Ok. Bah non, c'est bien lui qui est tombé. Donc t'es mort, sale merde. L'air de Venom. Bon, moi, je suis assez content de ce fait. Ça aura pas duré très longtemps, du coup. Moins que Janine, en tout cas. Manquait sûrement les pouvoirs de téléport. Oui, si je pouvais. Putain. On a pété un plomb comme d'hab. Allez, y avait trop un secret sur le toit là, un easter egg, merde. C'est le toit de l'école, je suppose. Wallrider. Pourquoi ma caméra éclaire comme de la merde? Il arrive pas à faire le point à cause des flocons de neige de merde. Je suppose que les trois quarts des autres joueurs, à part moi, doivent courir comme des dératés à chaque fois qu'ils le peuvent. Moi non.
je rentre dans le rôle de mon personnage. Comme si on avait une barre de sprint qui n'était pas infinie, alors que c'est faux. On a autant d'énergie qu'on veut dans le jeu. Et bref. C'est comme ça que j'aborde mes jeux d'horreur. Le truc c'est que t'es bien arrivé de ce toit de quelque part, non? Allez, conduis! T'es conduit. Enfin, quoi que. Bon, il fait des choses bizarres le vent aujourd'hui, mais. Écoutez, si ça l'amuse. Je suis étonné qu'il me laisse faire ça en fait. On sait que ce serait complètement forbidden comme à chaque fois. Quoi. C'est à moitié chiant ce semi-bug. En fait, ce sont des portes qu'on ne peut pas ouvrir lentement. Et du coup, quand je reste appuyé, bah ça bug. Tout ce que ça fait. Je trouve ça un peu bête. Contre-indicatif. Est-ce que je peux regarder jusqu'il y a. Non, mais putain. Mais non, mais. Ah oui, bon d'accord, bonjour. Mais il l'a ouvert ou il l'a pas ouvert? T'as un comique, toi. Bon, vraiment, il n'est pas multiple. Il a le pouvoir de téléportation de Janine, totalement. Mais il n'est pas multiple. Moi, je pensais qu'il était multiple. Enfin, qu'il était partout, parce que c'est la dimension. Je sais pas, ça buguait. J'appuyais pas sur la touche, ça faisait ça. Et quand j'appuyais sur la touche, ça ne voulait plus le faire. C'est vrai que du coup j'étais totalement étonné de voir de la neige alors que non, en fait on en a déjà vu. On en avait déjà vu au même endroit. Ah bon, c'est pas cette porte où il faut que j'aille. Bah d'accord. Il faut que j'aille où alors? La poubelle. Un bout d'herbe qui dépasse de la poubelle là. Parce que sur le coup je croyais que c'était une flèche, je me suis dit ah putain, il garde des éléments quand même de ce qui s'est passé là. Voilà, c'est là d'où je viens, pourquoi il faudrait que je revienne là-bas? Ça n'a pas de sens. D'accord. Ça me semble plus sensé. Toujours pas sûr de bien suivre l'idée. Pure quality paint. Quoi, mais défonce là, sérieusement. Bah, d'accord, je suis juste venu ici pour choper deux batteries et voilà, c'est happy fun time. Est-ce que la porte m'a glitché à la gueule?
Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? Attendez, je comprends plus. Faut que j'aille où? Comment je fais pour sortir d'ici? M'en fous, moi je veux savoir ce que tu cherches précisément maintenant. C'est ça, on est d'accord. Mais... Ah non, bon, bon. Ah! Définitivement la voix du prêtre ou je sais pas quoi, mais du professeur, proviseur, je ne sais pas, mais il a une voix d'un adulte censé te rassurer et qui a l'air de le faire de manière très creepy pour le coup là. Green beans, jamais mayonnaise. J'ai jamais... Excuse-moi, du coup, c'est pas sorcier, tout ça. J'ai mis mayonnaise. Choco-banana sandwich. Putain. Un sandwich choco-banana? Comment tu fais ça? Tu mets la banane dans ton pain, enfin je sais pas, j'ai jamais essayé ça. Hein. En dessert, ouais, mais sans pain, quoi. Hot dogs. C'est quoi les hot dogs? Les hot dogs, je connais, mais les hot dogs. Chicken salad sandwich. Tortilla pizza. Christian salad. Ah, bah voilà. Ramen noodles, quand même. Apples, oranges, carottes, sweet things. Cherry tomatoes, crackers and cheese, cereal. Pretzel. Soit c'est une dédicace à quelqu'un, parce que je sais qu'il y a des youtubeurs, tout ça, machin, qui s'appellent Pretzel. Mais ça s'écrit pas comme ça. c'est avec un B. String cheese. Donc il y a juste ça qui m'étonne, la Pretzel. Je sais pas si dans une langue on l'écrit comme ça. Mais... Et d'où tu l'as changé sans ma... Bon, je suppose parce que je suis plein de piles et que du coup il a géré, c'est tout. 2%... 2% milk. Mais c'est pas beaucoup 2% de milk dans du milk. That's it bro. From raised cow. That's it bro. Nutrition facts, cholesterol. Ah, je sais que des fois je m'arrête sur des délires à la con. Mais... Et sinon, il n'y a rien à dire, on sera juste dans le jeu. Bref, Funky Fouine, tu l'as déjà dit, arrête d'essayer de te justifier. Pas besoin, hein. Je pensais que ce serait fermé. Je pensais sérieusement que ce serait fermé. 11h15. C'est vrai, on est encore revenu en arrière. Il me semble.
Oh, mais vous avez fait une toute jolie cuisine et tout, on va pas pouvoir la visiter. Si, plus tard, je suppose, parce que tout est un peu en train de se rassembler au niveau de l'exploration de l'école, je sais pas si vous en êtes rendu compte. Enfin, j'ai juste remarqué qu'à un moment, on a vu la fameuse chaise que j'avais croisée à un autre moment. On va chercher plus loin. Hein. Cherchez pas non plus des trucs de fou. Non. Putain, cet arbre de merde dessiné avec la croix de Jésus là, on dirait un personnage en fait, comme ça je trouve. C'est avec les bras genre comme ça, avec les masques genre comme les chevaliers de la lumière dans Chronique de la Lune Noire. Tapez Chronique de la Lune Noire, chevalier de la lumière. Grosse dédicace chronique de la Lune Noire d'ailleurs. Donc non, je sais pas. Do not. Ouais non. Peut-être do not. Je suis pas seul. Bah non, je vois ça, il est vraiment vivant cette putain d'arbre. Viens! Jess! Hé! Vite! T'es où? Quoi? T'es où? Jessica! Tu m'entends? À sa voix, mais. Bande de con, mec! Quoi? Mais oh! Laissez-moi respirer au bout d'un moment! Laissez-moi comprendre juste une seconde ce qui se passe! Pas vu comme d'hab du coup si ça sauvegarde. C'est ça la mine, c'est ça? La mine Kulman. Kulman Mining. Ça me rappelle des souvenirs, on va dire. J'hésite à essayer de pousser un peu au cas où ça va pas sauvegarder, mais à mon avis, ça va sauvegarder comme d'hab. Aïe. Voilà. Là, je l'ai bien vu. Sauvegarde. Ok. Non, je vais pas mettre un putain d'orteil dans cette eau. Quelque chose cloche. Avec ce lac. Ah, tu m'intéresses là. Tu m'intéresses. Excusez-moi, mais là du coup, je suis beaucoup trop curieux. Donc. Laisse-moi t'aider. Truc sous l'eau, il y a un mec sous l'eau, il y a Jason qui vous attend le vendredi 13.
étonnant, au moins. Je vais pas mettre un putain d'orteil dans cette eau. Quelque chose cloche. Je leur laisse là. Je leur laisse ça. Je ne m'attendais pas à un mec. Justement. Enfin, du coup, je t'ai dit qu'est-ce qu'ils vont nous mettre. Un crocodile fou, un requin dans un lac. Modifié par. Non, je ne savais pas s'ils allaient nous mettre. Et vous allez me dire que je cite peut-être des choses pas très réalistes, machin et tout. Est-ce qu'un mec qui respire sous l'eau indéfiniment et réussit à vous parler de là, ça vous semble plus réaliste? Voilà. Ou Cthulhu, hein, ils auraient peut-être pu nous mettre un putain Cthulhu là. Pas tout. Le truc de Resident Evil 4, là, je sais plus, celui-là, il est super aussi. Bref. Nous sommes au temps limite, la lune est pleine. C'est la pleine lune. Lune.png quand même. Hein. J'avoue que là, je pense, elle a aussi bien fait dans GTA 3, quoi. Parce que dans GTA 3, il me semble que si vous tirez dans la lune au sniper, ben elle grossit. Et vous pouvez la faire grossir, après elle devient tout petit. Vous pouvez faire ça autant que vous voulez. C'est super fun, on t'invite. C'est magique. Bref, je ne sais plus ce que je raconte. C'est un peu le cas depuis les trois dernières sessions enregistrées sur ce jeu. C'est peut-être le but. Si le but est que je perde ma tête, pour l'instant ça marche bien. Parce que je suis totalement en train de perdre ma tête au fur et à mesure. Comme le personnage d'ailleurs. Et bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ainsi qu'à partager cette vidéo à tous les vous. Oui. Et bah on se retrouve bientôt pour la suite d'Outlast 2, où je suis dans la merde 2. Je suis dans la merde et on psychose constamment 2. Et bah je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ouh.